Bon, on se le boit ce coup. Comment il va? Monsieur, dame. Salut, patron. Messieurs. Deux cognacs, s'il vous plaît. Oui, double. C'est tout? Bah, à la tienne. Ah, merci. Même chose pour les deux. Je te paye un flipper? Bah, oui. Ouais. Avec un bidon, il y en a deux. Oh. Finesse. Oh, tu joues plus? Si. Dites-moi, votre client là, il est pas trop pressé, non? Non, lui, il est mort. Ah bon? Ouais. Ah, voilà. Oui? Oui? Qu'est-ce qui se passe? Vous en avez un temps pour répondre. On a crevé, je t'expliquerai. Bon, on a qu'un autre transport. Je note. Henri, 3e droite, 25 rue Nélaton. Dans un quart d'heure. Ouais, on va tout faire pour. Tu vois avec tes conneries? Pas un problème ça, mon petit pote. Allez, youhou! En voiture Simone, c'est parti! Ouais! Hihi! Une fois c'est bas, c'est que ça roule, hein. On verra ça plus tard. Mais va doucement maintenant. Ouais. Eh, dis donc, t'as oublié de fermer les portes derrière, hein, ça va. Merde. Ça, c'est la meilleure. C'est moi qui vais me faire engueuler maintenant. Bon, mais arrête.
Tiens. Mais qu'est-ce qu'il y a? Ben regarde. Oh merde. Oh, c'est le bouquet, ça. Tu vois le résultat avec tes conneries? Ce qui est incroyable, c'est que personne n'a retrouvé le paquet. Tais-toi, j'en dors plus. Tu vois un peu le bordel avec les flics pour leur expliquer qu'on l'a pas fait exprès, qu'on s'en est même pas aperçu, que c'est la première fois que ça nous arrive, et que ça se reproduira plus et tout et tout. Effectivement, c'est un peu dur. Hein. Maintenant, il a peut-être été ramassé par une équipe, non? Et donc, comment t'as été prévenu, toi? Au téléphone. Anonyme, hein. On t'a un peu mis dans la merde, non? Ah, ça ira pour cette fois, mais attention, hein, faut pas recommencer. Hey. T'es bouffé par des clébards, hein? Ça, c'est drôle. Dis donc, ça va, tu te remets bien de tes émotions. Ah bah ouais, je vais pas pleurer, non. Il y a des choses bien plus extraordinaires que ça qui se passent. Tiens, je suis même sûr que c'est l'autre fêlé qui l'a piqué, là. Ah ouais? C'est ça, le fêlé. Bah ouais, le barjot, là, qui traîne tout le temps dans la morgue. Tout le temps en train de reluquer les cadavres. Il y a longtemps que ça dure, cette histoire. Ah ouais? Ah oui, depuis quelques semaines, oui. Ouais. Et depuis quelques temps, il est là tout le temps. Au départ, aux arrivées, sans arrêt. Un vrai chèque sans ambulance, mec, là. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire? Bah, tu sais bien, la semaine dernière, il y a un morguier qui s'est fait virer pour trafic de cadavres. Trafic de cadavres? Ouais. Il vendait des cadavres aux mecs qui font des essais pour les accidents de bagnole. Il paraît que c'est bien mieux que les mannequins. Ah, bah, bravo. Dis donc, on pourra peut-être s'en occuper de plus près, non? Voir ça? Toi? Ouais. Ouais.
ça va, vieux? Ah, ça va, ça va. Bon, bah, on fait quelque chose maintenant. Hein? Ah non! Y a rien à faire! De toute façon, c'est râpé, il reviendra pas. Allez, on rentre. Montez dans ma voiture. Par quoi? Non mais c'est là, elle a peut-être pas bien, écoutez. Attendez, ah, mais c'est là. Allez. Merde. L'acheter quoi? Le corps. Croyez-moi, vous avez intérêt à me laisser diriger les opérations. Il faut faire vite. Avec moi, pas d'enquête de police. Ça va? Ouais, ça va. Je sais pas comment vous remercier. C'est vrai, c'est tellement rare les gens qui viennent à votre secours. Ouais. Je me demande si j'ai vraiment eu raison. C'était votre ami? Non, non. C'était mon patron. Mais je vous raconterai ça plus tard. À droite, là. De toute façon, personne ne le regrettera beaucoup.
passé? C'est mignon chez vous. Ça va? Tiens, je vais préparer. C'est bien parce que il y en a déjà. Où sont les tasses? Savoir ce que tu fais dans la vie. Ben non. Comme ça, j'ai davantage de mystère. Puis en plus, si je te dis tout maintenant, après, tu voudras peut-être plus me voir. De toute façon, si j'ai envie de te voir, je sais même pas où le joindre. Ouais, c'est bien comme ça. C'est moi qui prendrai les initiatives. Avec le métier que je fais, tu sais, ça risque de limiter énormément les choses. Toi que j'ai raison. T'as déjà plus envie de me voir maintenant. Écoute, hein. Fais comme tu veux. Je peux pas te dire mieux. Faut que je me tire parce que sinon je vais être en retard à l'hôpital. Ça va, j'ai pas trop manché. Non, non. Très bien. Bon. Peut-être la dernière fois que je te vois. Je claque la porte en sortant. Un peu, non. Besoin d'une unité de rejoindre. Collection, un musée peut-être. Un musée. Un musée, n'ayons pas peur des mots. Mais un musée de quoi? D'épaves? De lignes, de formes, de volumes. Des lignes, des formes, des volumes. Oui, c'est exact. C'est même assez étonnant. Le plus étonnant, voyez-vous, c'est qu'on m'a rarement apporté une pièce insignifiante. Ce n'est pas arrivé. Ou si c'est arrivé deux ou trois fois, c'est le bout du monde. La mer est un sculpteur de génie. Elle ne rejette que des chefs-d'œuvre. Sa plus grande gloire est dans ses rebuts. Vous êtes un homme extraordinaire. Je ne vois pas en quoi
aussi. Vous êtes là, sur Terre, comme nous tous, riches à milliards. Vous pouvez vous offrir les choses les plus précieuses, les pierres, les tableaux de maître. Mais non. Vous, ce sont les bois flottés. Vous n'avez toujours pas trouvé une solution pour vous protéger de ces agressions sonores ? J'attends toujours le sixième. La mission est difficile. Elle est très facile, au contraire. Non, non. Croyez pas ça. Aux conditions que vous posez, elle est très difficile. Faites-vous aider. Et s'il y a des indiscrétions, c'est à moi qu'on s'en prendra. Payé ? Vous en avez les moyens ? Avec de l'argent, vous aurez les corps et vous aurez le silence. Vous me donnez le frisson, vous jetez surtout un regard si neuf. Vous voyez sans doute que cela me rappelle. Je vois surtout que mon programme est en panne. Et que c'est très grave. Laissez-moi du temps. Quelques jours. Quelques semaines. Non. Je vous en prie. Il ne fallait pas accepter. Tout désormais repose sur vous. Que cette perspective vous stimule. C'est votre façon habituelle de me donner du courage. Pourquoi ne pas vous adresser au jeune couple qui vous a fourni le dernier cadavre ? Il était très bien, ce cadavre. C'était un accident. S'il faut attendre que ce hasard se renouvelle. Mais de quoi allez-vous vous occuper ? Ce n'est pas votre affaire. Payer, doubler les offres ? À eux de se débrouiller. Ce garçon est interne des hôpitaux, si je ne me trompe. L'argent ne l'intéresse pas. Employez la menace. Ne vous souciez donc pas de ce que ce jeune homme ou cette fille peuvent dire. Cherchez plutôt ce qu'ils craignent. Leur part d'ombre. Bien voilà. Il y a 5 millions à gagner. Ben, j'aimerais bien comprendre. Pour votre bien, moins vous en saurez, mieux vous vous porterez. Ce qu'il me faut, c'est le corps d'une jeune femme de 25 ans environ. Bah ben, oui, mais je sais pas si Patrick va marcher. Hein. Elle est belle, hein? Coretta, Jean-Pierre, Jean-Louis. Bonjour. Bonjour, bravo. C'est une petite merveille que vous avez là. Ça doit valoir une fortune, un engin pareil.
Oh ouais, bien sûr, mais enfin, vous savez, quand on aime ça, c'est pas le truc qui compte. Bah, apparemment, t'as trouvé un boulot, t'as plus de problème. Ben, j'ai peut-être trouvé un boulot, mais ça veut pas dire que j'ai plus de problème. Bien sûr, toujours pas moyen de savoir ce que tu fais. Tu dois t'imaginer que ça me donne du charme. Mmh. J'adore les hommes qui ont le sens de l'humour. Bon, nous, on veut pas les ranger, on va bosser. À tout à l'heure, traîne pas trop. Bon, allez, t'es pas l'imbécile. Bon, tu me le fais visiter, ton hôpital? Je sais, ça présente aucun intérêt. Si on ne pouvait jamais aller dans un truc pareil, ce serait l'idéal. Vraiment, on peut très bien vivre sans ça. Hein. Bon, sur ce, faut que je m'en aille. Monsieur Portard. On se voit quand? Oh, bientôt. Enfin, je sais pas. On verra. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Ça va pas? Non, j'aime pas planifier ma vie. Enfin, on va pas en faire une histoire, hein. Ça va, ça va. Écoute, excuse-moi. Moi, les membres, c'était pas dégonflé. Tarder à le savoir. J'ai visité une mort. Ah bah t'as une drôle de façon de passer le temps. C'est incroyable le nombre de corps que personne ne réclame. Bah tu sais, quand on est mort, hein, ça n'a plus tellement d'importance. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, si on en prenait un, personne ne s'en rendrait compte. Bah, sûrement. Mais je me demande pourquoi on en prendrait un. Ben, pour gagner 50 000 francs. Tu te fous de ma gueule? Je vois pas pourquoi je me foutrais de ta gueule. Arrête-toi. Hein? Arrête-toi! Qu'est-ce qui te prend? T'es malade? Fous-moi la paix, j'ai tout compris ton truc! Mais! La moto là, c'est avec l'argent du dingue que tu te l'as payé, non? Si tu me revois, c'est pas pour mes beaux yeux, c'est parce que tu veux que je t'offre un cadavre, c'est ça? Ou alors ça suffit comme ça, moi je me démerde tout seul pour rentrer chez moi, hein? Chier! Hé, monsieur! Hé! Vous pouvez m'emmener jusqu'au village là-bas? Ouais, il y a des cadeaux. Thank you.
bois que du vin. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je chante. Où ça? Ben, dans les cabarets. Enfin, n'importe où. Du talent? Aucun. Pourquoi faites-vous ce métier, alors? Ben, je sais pas, parce que j'ai commencé. Puis j'aime bien. De toute façon, je sais rien faire d'autre. Puis il y a des tas de gens qui font des boulots qui leur conviennent pas et ils s'en arrangent très bien, non? Vous avez de bonnes nouvelles? Non. Vous avez encore quelques jours. Écoutez, je crois que ça sert à rien parce que Patrick veut pas. Moi, je me sens mieux. C'est vrai, à l'idée de vous annoncer cette nouvelle, j'étais malade. Puis pour vous aussi, c'est beaucoup mieux. Vous allez pouvoir prendre de nouvelles dispositions. Je crois que je vais partir. Pour l'argent, je vous rendrai dès que je pourrai. C'est pas de ma faute, c'est Patrick qui veut pas. Je crois que c'est pas la peine d'en parler. J'ai pourtant l'impression que vous allez encore le faire. Suivez-moi. En somme, vous correspondez au signalement? J'espère que je peux compter sur vous. Allô ? Allô? Allô? Répondez.
Dites votre nom. Dites votre nom. Allô? Un numéro. Donnez un numéro. Allô? Allô? Qu'est-ce qui t'arrive? Où tu es? Arrête tes conneries, dis-moi où tu es. J'arrive. Qu'est-ce qui t'a pris? T'es complètement folle, non? Je suis désolée, hein. Puis tu me connais, t'arrêtes pas d'avoir des problèmes. C'est pas de bêtises. Puis après tout, peut-être que j'aime ça. De toute façon, je suis condamnée alors. Docteur, le 7 vient de passer. Le cœur ne va plus. Elle est morte. Certificat de décès. Qu'est-ce que vous avez fait?
Bah maintenant, tu vas chercher l'ambulance, tu l'amènes ici, je t'ouvre la porte, ok? Moi, j'ai pas l'ambulance. Comment tu l'as pas? Bah non, elle était pas garée à sa place. Alors j'ai pris ta voiture. Ma voiture... Ouvre le coffre. Non, écoute, c'est pas la peine d'en arriver. On va la mettre derrière. Allez, vas-y, dépêche-toi. J'y arriverai pas. Allez, pousse-toi. Je te retiens, hein, toi, pour foutre les gens dans la merde. Mais c'est pas de ma faute. Écoute, je vais te dire une chose. Coretta sur biais, j'en ai par-dessus la tête. Alors je vais aller jusqu'au bout, mais ceci fait, je te dépose un taxi et je ne veux plus jamais entendre parler de toi. T'es pas trop abîmé? Non, c'est une suicide impeccable. Parfait. Je vous règle. Non, non. Gardez votre argent, on n'en veut pas. Ce que je vous demanderais, c'est de laisser mon ami tranquille. J'ai votre parole. Vous l'avez.